Non, ce petit con, jamais. Il a décidément beaucoup de classe, ce garçon. Ce culot. Il est étrange, ce garçon. Ah, c'est possible, en tout cas, il est pas idiot, dis donc. Il finira banquier ou bagnard. Commence à me courir, moi, ce farfelu. C'est une épidémie, ce mec. Vous avez votre certificat d'études? En sortant de Normal Sup, j'ai fait une agrégue de droit. Et vous voulez être concierge? C'est vous le nouveau concierge? Il a pas une tête de concierge. Tu parles, il a une tête de provo. Comment trouvez-vous notre petit concierge? Il est pas courant. Là, pour un genou, un immeuble pareil, c'est une poudrière. Oh, il vous jure que c'est pas moi! S'il y en a un qui doit avoir la peau de l'autre, ce sera moi! Cette fois, je vais le virer! Vous plaisez décidément beaucoup. Tenez. Oh, madame la comtesse, vous êtes trop gentille, mais vraiment, ça m'a amusé. Ah, si, 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 je tiens beaucoup. Les locataires sont très exigeants. Babette, appelle-moi Babette. Oh, Babette. Non, arrête, il faut que je descende maintenant. Non, ouais, arrête, je suis crevé. C'est bien. Non, mais, je suis un petit peu concierge aussi. Qui êtes-vous au juste? Mais le concierge, madame. Hypocrite. Je ferai de mon mieux pour aider madame la comtesse à supporter ces temps difficiles. Peau de vache. Con, ce mec. Dégueulasse. S'il est enceinte, c'est pas de moi. Hein. Arriviste. Ton immeuble, c'est un vrai coffre-fort. Alors moi, je vais essayer d'en trouver la combinaison. Génial. On est une espèce en voie de disparition, comme les Indiens, comme les bisons. Seulement nous, on n'est pas protégés, on n'a pas de réserve. Moi, je n'aime pas tellement traiter ce genre d'affaires par téléphone. Mais surtout à ce prix-là. On se voit samedi, si tu veux. Jusqu'à lundi matin. Ce qu'il y a de plus rare dans cette époque de merde, c'est la chaleur humaine. C'est pour ça que vous êtes célibataire? Oh, je vous en prie, pas de confidence. Je serai toujours assez tôt. Tu ne viens pas, je recommence à fumer du hache. On sait déjà plus très bien si les concierges ont antiquaire, alors maintenant ils donnent des cocktails. Vous feriez mieux de vous occuper de votre travail et de pas tourner autour des jolies femmes de l'immeuble. Vous parlez faux, malheureux. Vous détonnez, c'est insupportable. Easy, keep cool, hein. Calmez-vous. Il y a quelque chose de troublant chez ce garçon. Voilà.